Et salut les gars, c'est Black Wolf. On se retrouve pour un nouvel vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. Et aujourd'hui, dans la dernière épisode, enfin dans le dernier épisode, dans le dernier, oupsie. J'aurais des ennuis si on me voit ici. Ok. Trop pas ici. Aïe. Olé. Hop, hop, hop. Yeah. J'ai dormi avec ça déjà. Et je termine avec lui, puis lui, puis comme ça. Oh, et olé. Je parle de lui. Ah, une arme. C'est quoi ça? Pourquoi il y va là? Et voilà, maintenant je l'assassine. Je récupère ce truc et je m'en vais. Alors qu'il y a d'autres, bien sûr. Donc, je voulais dire que dans le dernier, dans la dernière vidéo, j'ai réussi l'épreuve, le pancréas. Le pancréas en fait. Le pancréas, je sais plus. Je sais pas comment. Et je vous ai dit que maintenant on va que aussi que je vous ai dit que j'ai tué les quatre champions de Boétien, de Boétia, Boétia, Boétia ou je sais pas comment on peut appeler encore. Voilà. Mais je les ai battus hors vidéo parce que je voulais faire une vidéo, mais je me suis trompé de touche à la fin. J'ai maintenu. En fait, j'ai fait une option pour facilement faire une vidéo. Et j'ai mat et comme j'étais habitué à maintenir pour vous faire une vidéo, et ben j'ai maintenu la touche share qui est dans le bouton qui est en haut de la touche des touches directionnelles au bas gauche droite. Ouais, je sais. Et que je me suis trompé en fait, et que maintenant c'est fini en image, en capture d'image, mais ça va, j'ai rectifié ça, donc mais maintenant j'ai attendez, maintenant j'ai cool. Oh non, j'ai un mercenaire à mes trousses. Donc, je voulais dire que aussi que maintenant que je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'ai tué les quatre généraux poissiens et que j'ai aussi réussi et que j'ai réussi à comprendre comment je pouvais faire pour avoir les enfin comment je pour avoir l'antidote pour soigner Alcibiade. Maintenant je vais rejoindre maintenant je vais faire la quête Le Conquérant, car oui, je suis un conquérant. Et dans le tout début du jeu, je vous ai promis que je conquérais tous les monde pour Sparte, et c'est bien ce que je vais faire, voyez-vous. Je vais conquérir Sparte. Oh, génial. Je vais conquérir Athènes, les sites d'Athéniens pour Sparte. Bon, je sais pas comment ça se fait, mais on dirait que la peste qu'ils ont brûlé tout
Le... Ouh. Voilà. Et par ici le cerf. Bon. Je vous ai dit que je... Que... Ils ont brûlé tout. Tout ce qu'il y avait. Hein. Les arbres, les plantes, tout. Avec, tout ce qui était du village d'à côté. Là. Celle que vous voyez avec le grand hublot. Bon. Je vous raconte pas. C'est... Nul. Bon. Maintenant, j'y vais. Sans Phobos parce que... Oh non. Stupide loup. Enfin non, pas stupide loup. Mais bon. Il est un peu... Il s'est éloigné de, son trou... de sa meute. Bah c'est bien fait pour lui alors. Donc... Voilà le camp de mercenaires. Ouh. Voilà le camp de mercenaires. Je croyais qu'il y avait un, une branche pour que je puisse me ravitailler en... avant de faire ça, je vais me ravitailler en... Voilà. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Parfait. Parfait. Comment je peux... Hein? C'est pas grave. Je vois si j'ai... Si j'ai encore... Je vois si j'ai encore des armes en bon niveau. Je sais pas ce que... Je sais pas ce qu'on peut faire, mais... Hein? Effacer! Non mais comment ça effacer? Non, je veux pas! Je veux pas qu'on m'efface mes vêtements! On va changer de classe. Guerrier, voilà. Ah, on peut aussi... Ok. Ah. C'est pas... Pour débloquer, il faut... 5000? On est à 3000. On est entre 3000 et 40... et 4... On est dans les 4000, enfin on est dans les 3000. Il faut encore 2000 pour ça. Ok. Bon. C'est pas grave. Bon. J'étais sur le point de le faire. On va y aller. On va y aller pour Sparte. Enfin je crois. Je vous laisse à la cinématique, on verra comment ça va se passer. Bingo! Voilà! Un assassinat parfait! Bon. Je vous laisse à la cinématique et on verra comment ça va se passer. Parce que j'ai dit à Nikolaos que la ouais j'ai dit que Nikolaos est je enfin j'ai pas dit à Centaure mais je vous ai dit que Nikolaos n'est pas vraiment mort. Que j'étais soulagé de ne pas faire d'erreur sur l'histoire, sur les événements d'histoire. Alors je vais
y aller. Et voilà quoi. Je vais vous laisser. De revoilà. Tu n'entendras plus parler de ces champions. Tu devrais être mort. Tu as l'air déçu. Les dieux cherchent à me punir. Ils ne veulent pas te punir, mais t'aider. À ton avis, pourquoi je suis là? Les dieux doivent me haïr pour te mettre sur mon chemin. D'après ce que j'ai vu, tu as besoin d'une intervention divine. Je n'ai pas de temps à perdre. Sparte doit s'emparer de cette région, pendant qu'elle en a l'occasion. Alors, finissons-en. Heureux de l'entendre. Plus tôt tu repartiras, mieux ce sera. Mais je crains pour la dernière cinématique. Parce que je sais pas pourquoi, mais il y aura un combat entre. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils vont se disputer Standard et Axios. Ouais, bon. On va. Yeah. Allez! Oh, aïe! Sans bouclier, s'il vous plaît. Et boum! Slash! Et sting! Rends-moi ton bouclier, toi. Et ya! Ah, celui-là, il faut un coup spécial. Rafale de coup. C'est comme ça que j'ai appelé. Et boum! Aïe! Aïe! Attaque fatale. Personne. Ah. Un mercenaire athénien. Je vois bien que tu ne me crois pas assez fort pour te tuer. Une mercenaire, pardon. Aïe. Olé. Raté. Olé. Ah, il a failli m'empoisonner, mais j'étais plus fort que qu'elle. Aïe. Attendez, le mercenaire il est là. Enfin, je veux dire, pas le mercenaire, mais le. Où allez? Bon. Mercenaire contre mercenaire. Allez! Tu vas arrêter d'esquiver mes coups. Aïe. Wallé! Raté! Wallé! Aïe! Raté, j'ai pas pris cher. Aïe! Là, j'ai pris cher. Attaque fatale. Combat. On m'a trouvé gay, toi. Ya. Oh, plaît. Raté. Wallé. Aïe. Wallé. Ya. Je vais regarder la vie quitter. Ok, d'abord lui. Ya.
Ok, tu vas mourir, oui. Et arrête de fuir. Arrête de fuir, j'ai dit. Non, je vais fuir. Hop là. Aïe. Guérison, aïe. Non, on pense donner encore. Aïe. Oula. Raté. Ouais. C'est presque fini. Oulé. Oulé. Attends, je... Attendez, je vais... Oulé. Attaque spéciale. Il m'a retenu vaincu. Oh, double. Double protège. Aïe, aïe, aïe. Ça va finir très mal pour les Athéniens. Ah, les Spartes dominent. Pour l'instant, les Spartes sont un peu mal en point. Mais le tout n'est pas encore joué. Il nous reste encore moi. Avec Alexios et Stentor. Olé. Et bim! Dans leur face. Aïe. Toi, ton bouclier, va-t'en. Toi et ton bouclier, tu peux les garder. Fouillard. Non. Ouais, allez-vous-en, spawn d'Athéniens. Défaite des Athéniens, victoire des Spartes. Oh, j'ai eu un porté une armure. Enfin, vous voyez ce que je vais dire. Bon, je vous laisse à la cinématique et je crains le pire. Enfin, je crains le pire pour la cinématique. Ça va mal passer. Je vais... Donnons la victoire! Toute la gloire te revient. Tu nous as bien guidés. C'est mon père qui m'a appris à commander une armée. Dommage que tu me l'aies enlevé. J'en saurai davantage aujourd'hui. Arrête. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. C'est moi qui commande ici. Tu avais besoin de mon aide. Par les dieux, ce que tu peux être arrogant! Pas étonnant que mon père t'ait rejeté. Tu ne sais rien de ma famille. Je sais qu'il t'a lancé d'une falaise et qu'il m'a choisi. Et c'est moi l'arrogant? Si tu existes, c'est pour combler le vide que j'ai créé. Rien de plus. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant que nous avons chassé les Athéniens, je vais m'occuper de mon véritable ennemi. Stentor, tu... Ton travail est terminé, mercenaire. Maintenant, je vais te tuer pour ce que tu m'as enlevé en Mégaris. Pourquoi veux-tu faire ça? Parce que tu es venu en Mégaris, que tu as nué à cette guerre, et que tu as tué mon père. J'ai fait ce que je devais. Alors à mon tour. Et
pas tué Nikolaos. Je n'ai pas tué, ok? Je l'ai juste épargné. Qu'est-ce que tu gagnerais à me tuer? La justice, la vengeance, la paix. L'une me suffit, mais je préfère les trois. Tu crois que la vengeance apaise la douleur? Tu te trompes, crois-moi. Justement, je ne te crois pas. Rien ne t'oblige à faire ça, Stentor. Oh, mais si! Et ce ne sont pas tes paroles qui me persuaderont du contraire! Nikolaos n'aurait jamais voulu ça. Comment peux-tu le savoir, traître? Je n'ai trahi personne. Tu as trahi Sparte! Tu as trahi ta famille! Mon père est mort de ta main! Tu m'as privé d'une vie normale! Tout ce que tu mérites maintenant, c'est que je te plante ma lame dans le cœur! Je savais bien que c'était... Aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Je crois qu'il y a une autre cinématique en fait. Vous entretuer ne guérira pas les blessures du passé. Père. Bonjour Stentor. Je te croyais mort. Pas encore. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Oh, on se calme. Je n'ai rien fait. Combien de fois vais-je devoir te dire? Stentor, il ne me doit rien. Je ne comprends pas. Vous avez tous deux un plus grand rôle à jouer. Deviens le dirigeant que j'ai commencé à former. Guide les armées de Sparte. À la victoire. Comment? Tu es un homme d'honneur, un fils loyal et un grand guerrier. Tu seras un meilleur chef que je ne l'ai jamais été. Tu réussiras. Très bien, père. Je saurai te rendre fier. Je le suis déjà. Y a pas des excuses à faire, lui? Ça aurait pu mal se terminer. Alexios, une ombre s'étend sur Sparte. Méfie-toi à ton retour. Je m'en occuperai, avec Mère. Tu l'as trouvé? À la tête de Naxos. Voilà qui lui ressemble. Puissent les dieux veiller sur vous deux. Il voulait dire sur nous trois. Parce que... avec... Cassandra... Myrine, Alexios, et c'est tout. Oh, je suis de niveau 38 maintenant. Youhou! Maintenant que je suis au niveau 38, j'allais dire. Attendez, j'allais dire quelque chose. Je voulais dire que. Oh, belle tenue sparse. Je voulais dire que... Comme j'ai... Attendez, je vais d'abord me prendre ça. Voilà, et c'est bon. Donc, je voulais dire que, j'ai épargné Nikolaos parce que c'était toujours. Parce que entre nous, le lien paternel est toujours en Alexios et Nikolaos. Mis à part le fait que... Mis à part le vrai père qui lui croit que c'est juste un objet. Une arme. Et moi je l'aime pas du tout le gardien d'Atlantis là.
le gardien qui nous a demandé de trouver de cacher Atlantide. Mais je voulais dire, moi je l'aime. Moi je trouve que entre Alexios, Cassandra, Stentor, Myrine et Cassandra, si je dis pas le pitié, je crois que je l'ai déjà dit. Eh ben moi je trouve que c'est bon, hein. Moi je crois que c'est que la famille est réunie. Moi je vois ça comme ça. Et à la fin de la quête principale, à la fin de la quête, j'espère que vous me donnerez les informations dont j'ai besoin. C'est-à-dire le code d'extension. Parce que moi, dans mon monnaie habituelle dans ma bourse de PlayStation Store, eh ben c'est vide. C'est tout vide. Je n'ai pas de mal à ça. Et je serai bientôt. Je connais déjà qui sont ces deux-là. Mais la traîtresse. Et Némésis, fille de Nyx. Qu'elle prétend. Après il y a l'échelon 2 et l'échelon Prime. Oui, je dis Prime parce que l'échelon 1, c'est pas. Le premier échelon, c'était pas. Donc je serai bientôt à la fin du classement. J'ai hâte d'être à la fin du classement. Bon. Maintenant que c'est fait, que j'ai retrouvé la confiance, que j'ai trouvé une confiance, enfin que Stentor a de nouveau confiance en moi, enfin en Alexios, je vais aller faire la dernière mission. Attendez, c'était quoi déjà? Non, attendez, je vais fermer le titre. Oui, parce que c'est un titre, donc. Ah, une fois encore un. Et ça sera le traître de Sparte. Tuer ou ne pas tuer? Telle est la question. Donc, je lis le résumé. Après l'audience accordée par les rois de Sparte, Myrine et Brasidas ont traqué des adeptes en Arcadia. C'est là que l'ancien roi perse, le roi aveugle, m'a demandé de chercher un. Enfin, de se synchroniser avec un. Je sais pas quoi. Je vous montrerai un jour. Ils sont en Arcadia. Ils sont à la limite entre la forêt des
contrebandiers et les champs dorés. Ah! Arcadia. Entre la forêt des contrebandiers. La forêt des contrebandiers, il est où? Et le champ doré. Ils sont à la statue d'Artemis parmi les cendres. Hein? Bah où? Bon bah c'est vraiment, on va faire comme c'est à côté. On va aller avec l'Adrestia. Parce que j'ai la flemme de... Parce que enfin déjà j'ai pas... Je veux dire pas que j'ai la flemme, mais... J'ai la flemme. Je veux dire que j'ai la... L'ennui de aller de Boetia à Arcadia à cheval, parce que bon sang, il va falloir faire le tour de Megaris. Enfin, il va falloir passer par Megaris et aussi par je sais plus quoi. Je sais plus. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est dur. Donc. Paré à partir. Ouais. Bon. Alors, les filles, amenez-moi à Arcadia. La forêt de Poséidon. Hein? Problème là, je ne vois pas de forêt de cendres. Attendez, Arcadia. Ah ben non, en fait c'est pas ici, c'est là. Oh, que je suis bête. C'est pas grave. En fait, c'est grave. Forêt de contrebandiers, c'est... Non, c'est... Forêt de contrebandiers... C'est ici. Et là, c'est... La... Donc, vallée des cendres. Donc, parmi les... La forêt d'Arcadie... Parmi la... les champs des... Le champ... Doré. Ouais, c'est là. Il est entre... Là. Donc, ici. Nom d'une pipe. C'est tout ce que j'ai fait, c'était simplement de venir là, et j'ai même pas vu que c'était mal écrit. Bon, petite erreur, ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Quand on aura découvert qui est le traître, on s'empare de sa... de son artefact
qui sert de clé pour activer la forge. La forge qui va nous permettre de... qui va nous permettre de nous... Enfin, vous savez, qui va nous permettre de... Attendez que je réfléchisse à ma phrase. D'évoluer notre lance. Oui, bon, améliorer, mais je dis évoluer. L'évolution, l'amélioration. C'est... L'amélioration, c'est l'évolution d'un objet. Et l'évolution, c'est l'amélioration d'un autre. Hop là. Oui. Donc, alors, je sors d'abord de la ville. Voilà, non. J'ai qu'à appeler Phobos. Mais avant, je vais retirer le casque parce que ça me gêne. Voilà. En fait, je vais mettre un autre casque. Voyons. C'est plus brillant, mais je ne crois pas que c'est la même bonne couleur. Enfin bref, c'est spartiate. Donc, oups. Moi, je veux doré, alors... Non, en fait, on va garder ça. Et on va là... Et je vais... Voilà. Oups. Voilà. Maintenant, le temps que... Maintenant, laissez... Maintenant, je vais... Montrer... Maintenant, je vais... Nettoyer mes lunettes. Et en échange... Et après, je vous explique un truc. Vous savez que la Switch, la Nintendo Switch, coûte sacrément cher. Avant c'était à 400, maintenant c'est à 200. Donc, je vous ai dit que j'ai eu beaucoup d'argent, beaucoup de pognon, comme je peux le dire, enfin comme on peut le dire, ou fric. Mais ça c'est... Mais moi je dis d'argent. Que j'ai eu beaucoup d'argent pour quand c'était mon anniversaire. Eh ben ma eh ben merde, j'ai trouvé la statue d'Artémis parmi les cèdres. Eh ben j'ai eu quelques ennuis. Attends, comment ça je suis surchargé? Comment ça je suis recherché? Non mais c'est pas vrai ça. Oh, je peux pas. Là je peux? Je peux pas encore. Il y a un autre mercenaire qui est après moi. Trois casques. Je sais pas pourquoi je...
Bon, je veux dire que je vous ai dit que j'avais beaucoup d'argent dans mon RSR. Eh ben. Eh ben, figurez-vous que quelqu'un dont je ne dirai pas le nom m'a a mis mon argent dans mon compte. Mais pourquoi je... Enfin, dans... Argent, dans... A mis l'argent dans mon... dans la banque. Du coup, j'ai moins d'argent. C'est là. Je serais content de revoir Mère et Brasidas. Oui, bon. Et du coup, je l'achèterai et je ferai un compte. Je ferai un compte. Et je l'achèterai et je ferai un compte. Et après, je ferai une vidéo pour que vous puissiez voir. Pour que je puisse faire la vidéo. Et oh, pour sang, pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça ne veut pas? On y a le méprisable. Bon, je ne peux pas le faire, mais j'y ferai quand même. Je vais vous laisser à la cinématique. Ensuite, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et ensuite... Je ferai une autre vidéo, sans faute, ce soir. Sans faute, hein. Je vais d'abord grimper là. Allez. Oh, mais c'est pas vrai. Il sait pas grimper au sable. Bon, je vous laisse à la cinématique. Qui es-tu? Moi? Personne. Mais toi, tu es encore plus divin que Brasidas l'avait annoncé. Tu devrais avoir une statue parmi ces arbres. Brasidas? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Le guerrier, il a dit. Cherche le puissant guerrier à la lance brisée. J'ai ajouté le côté divin. Oui, Brasidas s'y connaît en matière de guerrier. Et je te promets que les récits de mes actes survivront aux statues. Bien sûr. On devrait chanter ton histoire du haut des montagnes. Tu es déjà une légende en Arcadia. Où est Brasidas? Il faut que je lui parle. Bah ça, je veux bien te croire. Et la femme, tu veux lui parler aussi, non? Attends. Elle te ressemble. Dis-moi où ils sont allés. Oui, d'accord. C'est pour ça que Brasidas m'a payé, après tout. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je trouve qu'il ne m'a pas payé assez. Quel redoublement de situation. Qui est ce mercenaire là? Ce mercenaire qui croit supérieur aux autres. Un échelon. Un échelon 6. Et qui est-ce? Oh! Sosipatros, le serviteur de l'Arconte. L'Arconte? Je l'ai pas déjà tué, l'Arconte?
Et il est vivant. Enfin, il était vivant. Enfin, il était son serviteur. Ah oh bah ça. Attendez, c'est quoi ça? Les dégâts subis laissant de marbre. Augmentation des dégâts dus au poison. Ah, au poison. Ok. Dans ce cas, rien de tel pour empoisonner que... où est-ce qu'il est le poison? Ah, il est là. Rien de tel pour empoisonner que ça. Oh, j'ai réussi à le peindre. Aïe. Allez, relève-toi. Allez, combat. Aïe, aïe, aïe. Là. Prends-moi de bouclier. Ah non, pas encore. Wallé. Allez, je t'attends. Raté. Wallé. Oula, j'ai failli tomber dans le... Oh, j'essaie, mais regarde là. C'est vrai que ça manque de dégâts quand on fait les poissons. Aïe! Wallé! Aïe! C'est dur. Wallé! Dernière chance, rends-toi. Tu connaîtras bientôt. Arrête. Mon histoire. Ouh. Survivra au statut. Qui dit ça? Dis-moi où ils sont, ou je me charge d'effacer ce sourire insolent de ton visage. Il a dit que tu avais un sale caractère. Il avait raison. Dis-moi où est ma mère, et tu repartiras peut-être d'ici vivant. Tu es clément. N'espère pas qu'Arcadia le sera envers toi. Parle! Tu les trouveras sur une colline, une falaise au-dessus de Tegea. Tu as dit que Brasidas ne t'avait pas assez payé. Qui s'en est chargé? L'Arconte. Il donne plus pour ta tête que ne pourrait en offrir Brasidas en un siècle. Dis-moi qui est cet Arconte. Je veux un nom. Lagos. Il s'appelle Lagos. Et c'est l'homme le plus puissant d'Arcadia. Celui qui contrôle le grain, contrôle le monde. Tu as de la chance. Oh. Maintenant... que c'est fait, je me demande si je peux pas
Et encore non. Quelqu'un a accepté le contrat sur ta tête? Je vais peut-être le faire, moi. N'y pense même pas. Si tu fais, je te tue. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Pour l'instant, je te laisse en vie. Bon. Bah, c'était pas la fin que je voulais. Mais c'est bon. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Oh, oh non. On se retrouve pour ma prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Bye tout le monde.